Salut à tous, c'est Xeros pour un autre 3 pixels et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Unboxing. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit colis donc, que j'ai reçu cette semaine. Un achat donc effectué sur le bon coin pour 60€, frais de port compris. Et ben on passe tout de suite au déballage. Alors on va commencer tout de suite par déballer donc ce petit colis. Thierry pour ouvrir ici. Alors allons-y. Hop. Putain, il déconne pas avec les colis de la poste. Vraiment avoir envie. J'essaie de faire durer le suspense en vous cachant ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que vous avez vite deviné en voyant le chargeur et ainsi que la boîte. Ça, bon, c'est un petit peu frotté là. Donc, je le savais, elle me l'avait dit. Ça a l'air pas mal. D'extérieur, bon voilà, hein, c'est pas une console qui est neuve. Elle a un peu frotté d'utiliser, surtout que c'était des enfants qui l'avaient. Passons maintenant à l'ouverture. Alors, bon... Les écrans sont sales, mais pas rayés. Donc, et bien voilà pour la Nintendo DS. Donc, ça fait bien plaisir. En plus, elle est plutôt sympa avec son petit sticker vert là. Et puis le Yoshi juste ici. Alors, ensuite, dans les jeux, il y avait déjà pour commencer le Mario DS 64. Donc, voilà, je vous le présente pas. C'est un jeu qui est quand même plutôt connu. Donc, la boîte est plutôt en état correct, on va dire. C'est pas un super état. Il y a quelques petits accros à quelques petits endroits, mais bon, ça reste correct. À l'intérieur. Voilà, on a la notice, comme elle me l'avait dit. Alors, par contre, voilà, c'est un peu corné, c'est un peu abîmé. Pokémon noir, également avec sa notice, normalement. Oui, voilà, donc elle est un petit peu cornée, ça je le savais, elle me l'avait dit. Voilà, sur la longueur. Bon, sinon, le jeu est complet, voilà, la boîte est en état impeccable. Pokémon noir 2, donc voilà, un jeu qui cote encore pas mal sur Internet. Donc, c'est plutôt bien de l'avoir dans ce lot. La notice, comme vous voyez, est en état neuf. La boîte en état neuf, tout en état neuf, de toute façon vu comme le jeu est récent. Pokémon Ranger, sillage de lumière. Donc voilà, je ne connais absolument pas ce jeu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça reste un titre Pokémon, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Complet avec sa notice. Il cote encore une vingtaine d'euros, je crois, sur internet. J'avais vu, c'est pour ça que je l'ai choisi. Enfin, pour terminer, alors là, c'est un jeu Nintendo 3DS, puisqu'il s'agit du Super Pokémon Rumble. Alors, je me suis dit, forcément, un jeu Nintendo 3DS, ça peut que coter encore pour le moment. Et en effet, je crois qu'il cote encore un petit peu. Donc voilà, en plus, il y a encore sa notice. Hop, vire par la cocotte. C'est la galère à l'envers. Hop, l'ensemble du lot. Donc voilà, pouvez me dire ce que vous pensez un petit peu de cet achat. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon achat. Bon, bah écoutez, moi, je vous dis à bientôt tout le monde, puisque cette minute unboxing numéro 2 est terminée. Ciao tout le monde. Ah non, et puis au fait, j'ai encore un truc à vous présenter. Bientôt arrivera la minute unboxing 3. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est du lourd.